Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quelques décès, quelques causes de décès courantes chez les jeunes poulets auxquelles les éleveurs doivent faire attention. Ok, parlons-en. Chaque agriculteur souhaite que ses poussins survivent à 100% une fois qu'il les a achetés. Cependant, des pertes se produisent presque toujours, surtout au cours des 2 premières semaines de vie. Un taux de mortalité de 1 à 5% peut être considéré comme normal. Mais quand cela dépasse 5%, ceci devient anormal et nécessite une intervention immédiate pour éviter d'autres pertes. En effet, certaines causes de ces décès peuvent anéantir tout le troupeau. Donc, on va voir quelques causes. Donc, voici quelques causes courantes de mortalité chez les poussins en couvaison. Donc, pendant la période de couvaison. Normalement, la période de couvaison de 1 à 21 jours. Mais ici, on va plus parler de 1 à 14 jours, les premières 2 semaines. Donc, premièrement, il y a des facteurs génétiques. Les facteurs génétiques, c'est des choses que tu peux pas modifier, tu peux pas contrôler parce que les poussins naissent comme ça. Il existe de nombreuses mutations génétiques mortelles chez les oiseaux, dont la plupart entraînent la mort pendant la période de couvaison. Quelques-unes de ces facteurs génétiques, on peut citer la lococongénitale et les tremblements congénitaux. Ce sont des gènes qui sont dans des oiseaux, qui donnent des poussins. Des poussins, on peut les mettre dans un incubateur, ça va donner des poussins. Donnent des œufs plutôt, des œufs à couver, et puis ça donne des poussins, mais ces poussins-là, ils ne vivent pas longtemps. Donc, pour éviter cela, il est conseillé d'acheter les poussins d'un jour à des entreprises réputées qui font une sélection contre ces gènes. Ok, il y a l'autre facteur, il y a les facteurs de gestion de la température. Les facteurs de gestion de la température sont des problèmes récurrents. Donc, il y a les problèmes les plus courants, c'est qu'on peut citer la température élevée, la température de couvaison élevée qui provoque deux problèmes majeur, à savoir un, la déshydratation. Quand la température est élevée, le corps des jeunes poussins, en effet, ça contient beaucoup d'eau. 70% des poussins là, de son corps là, c'est seulement de l'eau. Donc, si la température est élevée continuellement, ça va provoquer une perte d'eau du corps et ceci entraîne une déshydratation. Donc, la déshydratation, ça crée après problème d'insuffisance circulaire et puis la mort. L'autre problème en deux, il y a le collage. Le collage, c'est que quand la température est élevée, il y a l'adhérence. Ceci provoque l'adhérence des fessiers, donc de la fiente autour de l'évent. L'évent, donc, autour de l'anus, en quelque sorte. Ceci entraîne le blocage. Donc, le poussin, à cause du fait que la température est très élevée, ça provoque le blocage et le poussin ne peut pas évacuer, par exemple, sa fiente. Et finalement, il va être étouffé, il va mourir. Donc, ça, c'est les problèmes de la température élevée. Mais aussi les problèmes de la température quand elle est trop basse. Une température basse dans la couveuse provoque un refroidissement et ça donne une pneumonie. La pneumonie tue les poussins en grand nombre. Donc, la basse température oblige les poussins à se mettre ensemble, à se blottir les uns contre les autres pour se tenir au chaud et maintenir la température du corps. C'est là qu'est-ce que ça pousse? Là, ça provoque les étouffements. Les poussins vont commencer comme d'autres vont marcher sur les autres et ça va provoquer la mort. Donc, pour éviter les problèmes de température, faut ajuster. L'éleveur doit ajuster la température de la salle de couvaison 24 heures avant que les poussins arrivent dans la salle. Donc, 24 heures, une journée avant, tu dois déjà avoir ta température si tu utilises des radiants ou bien le radiant à gaz ou bien le charbon pour chauffer ton poulailler, tu dois le faire une journée avant. L'éleveur doit également essayer de maintenir cette température jusqu'à la fin de la période de couvaison, bon, disons jusqu'à 2 semaines. Les autres facteurs, c'est les facteurs liés à l'alimentation. Ces facteurs liés à l'alimentation, ça crée par exemple l'intoxication alimentaire. Donc, c'est quoi l'intoxication alimentaire? Les aliments contiennent par exemple des choses toxiques comme les moisissures, les fongiques, les champignons.
Donc, par exemple, les sacs de provende sont mal gardés et il y a des insectes, il y a des choses qui rentrent dedans, ou bien ça a été mouillé, ça provoque des moisissures. Et quand on donne ça aux poussins, ça vraiment, donc, faut faire très attention. Par exemple, il y a un toxique qu'on appelle le talin qui est très très présent et ça provoque vraiment des dégâts. Il y a aussi l'eau de boisson. L'eau de boisson, faut faire attention. On ne doit pas mettre trop, il doit pas contenir trop de sel. Il doit pas avoir de la fiente dans l'eau de boisson et des gaz toxiques dans l'eau de boisson comme l'ammoniac. Ceci provoque aussi une intoxication. Donc, il convient pour éviter cela, on doit maintenir une alimentation correcte. On doit utiliser de l'eau propre, changer de l'eau chaque jour. Ainsi, on doit faire une bonne gestion de la litière. Et aussi une ventilation adéquate dans le poulailler est également très importante. Ok, enfin, les facteurs liés aux maladies. Les poussins nouvellement éclos n'ont pas un niveau d'immunité élevé. Si l'hygiène n'est pas maintenue, un certain nombre de maladies responsables de la mortalité précoce des poussins se développent. Parmi ces maladies, on peut citer l'omphalite. L'omphalite, c'est ce qu'on appelle aussi la maladie du nombril. Donc, c'est une infection du nombril qui est caractérisée par une inflammation de la peau dans la région du nombril. Un abdomen qui est mou et flasque et distendu. Ça provoque aussi le collage de l'évent et il y a une odeur nauséabondante. Quand il y a l'omphalite, il y a une odeur nauséabondante sur la carcasse. Les poussins atteints, on les voit, ils sont déprimés et ils ont la tête tremble. Donc, il s'agit d'une maladie bactérienne. C'est une maladie qui est provoquée par la bactérie qui peut se propager très très rapide et vraiment être responsable de perte d'un grand nombre de poussins. L'autre maladie, c'est le pylorhume. Le pylorhume, c'est aussi une maladie bactérienne infectieuse aiguë et mortelle des poussins. Il est caractérisé par des plumes ébouriffées. Il y a une diarrhée. Quand il y a le pylorhume, il y a la diarrhée et il y a une respiration laborieuse. Les poussins ont tendance à crier, à faire des gazouillis. Et à la mort qui s'ensuit. L'autre maladie, c'est la salmonellose. La salmonellose, c'est une maladie qui n'attaque pas seulement les poussins, attaque presque les oiseaux de tous les âges. Elle se caractérise par une augmentation de la température corporelle. L'oiseau est chaud et il y a une septicémie. Donc, la septicémie, c'est le sang, il y a la présence des organismes infectieux dans le sang. Quand on fait l'analyse sanguine des poulets, on trouve qu'il y a la présence des organismes infectieux. Et avec la salmonelle, il y a aussi l'omphalite. Et puis il y a l'hépatite, l'inflammation du foie. Et il y a l'hypertrophie de la rate. Et ça provoque aussi la mort. Donc, lorsque la salmonelle touche les poussins, elle peut être responsable d'un taux de mortalité très élevé. Il y a l'autre maladie, c'est la colibacillose. La colibacillose, c'est une maladie bactérienne qui est grave et aiguë, qui affecte le système sanguin. Donc, il peut toucher les poulets de tous les âges avec une prévalence élevée et des décès chez les poussins. Ceci dit, la biosécurité stricte où l'hygiène est la responsable méthode de prévention des maladies. C'est vrai qu'on peut utiliser les antibiotiques, mais la vraie chose, c'est de prévenir ces maladies. Donc, pour cela, il faut régulièrement l'eau, l'équipement, l'alimentation doivent être très, très bien, bien contrôlés. L'eau doit être échangée à tout moment, ainsi que tout l'environnement de la salle doit être maintenu propre et exempté de toute contamination. Il y a d'autres facteurs aussi on peut prendre en compte comme l'eau, le sol, l'espace pour les aliments il doit avoir le nombre de équipements d'alimentation doivent être normal, élevé pour éviter le surpeuplement et pour éviter la famine. L'humidité de la litière aussi doit être parce que l'humidité facilite la multiplication des micro-organismes pathogènes. Donc, on doit contrôler que la litière ne puisse pas être mouillée. Il faut tourner la litière à tout moment. Une manipulation des poussins pendant la vaccination, parce qu'il y a des vaccinations par exemple par injection, les poussins peuvent se blesser. Donc, pour éviter les blessures, parce que ces blessures qui restent ouvertes, ça provoque la contamination et les infections.
On doit aussi maintenir un taux d'humidité. Il y a l'humidité, la ventilation et la lumière. Il faut maintenir un taux d'humidité adéquat dans le poulailler. La litière doit être vraiment sec. Hein, on doit éviter parce que l'humidité, quand c'est élevé, ça les gaz toxiques et ça crée la croissance des micro-organismes infectieux. Donc, faut, dans la, pendant, on doit voir ça pendant la construction du poulailler. On doit construire, on doit respecter les normes pour qu'on puisse éviter que. Parce que tu peux construire, une mauvaise construction peut faire que tu vas avoir des problèmes d'humidité, toujours. Donc, faut vraiment la construction puisse être vraiment bien faite. Et puis, il y a la ventilation. Une ventilation adéquate est nécessaire pour réguler la température et éliminer le dioxyde de carbone, l'ammoniac et les autres gaz. L'humidité, la poussière et les odeurs, l'air frais doit être introduit de manière uniforme. Donc, normalement, on laisse des ouvertures. Hein, même quand on ferme les rideaux, on doit laisser des ouvertures pour qu'il puisse avoir toujours comme circulation de l'air. Donc, ça aussi, ça rentre dans le cadre de la construction. Il y a la lumière. La lumière, c'est un facteur important pendant la période de couvaison, car l'activité des poussins est très importante. Les poussins doivent être actifs. Et ils ont, plus que l'intensité lumineuse est forte, plus que les poussins sont actifs, ce qui est bien. Mais en cas de faible intensité lumineuse pendant la couvaison, par exemple la nuit, la lumière est éteinte pendant la couvaison, ceci peut provoquer une baisse d'activité. Donc, faut que vraiment faut stimuler les poussins à être actifs. Et ça aide aussi, la lumière les aide à retrouver de la nourriture et de l'eau pendant la nuit. Une fois ils ont appris à se où se ils ont appris où se trouve la nourriture et l'eau vers le 7e et 10e jour, l'intensité et la durée de la lumière peuvent être réduites. Maintenant, pour votre entière information et formation, et pour votre formation, pour votre projet d'élevage, nous avons mis à votre disposition le guide. L'élevage de poulets de chair, un business lucratif. Dans ce livre, vous allez apprendre tout sur les sections suivantes. Un logement convenable, la construction d'un bon poulailler, un espacement, le choix d'un site, une alimentation correcte, la formulation de ces aliments, le chauffage, l'éclairage, les pratiques d'hygiène, la vaccination, les symptômes des poulets malades, une section supplémentaire sur l'utilisation des plantes pour prévenir et traiter certaines des maladies. Également la façon de planifier, mettre en œuvre et gérer, évaluer une entreprise de production de poulets. Une seule adresse, allez sur www.agrimboca242.com. Merci.